what you say. Et nous revoilà sur la route des étalons à Beuvron, en Haut-Jorat du Mont-Goubert, avec une des deux recrues, le magnifique, le grand Yves Aoud. Et qui va nous en parler tout de suite, c'est Claude Guégan. Bonjour Claude, tout se passe bien aujourd'hui? Bah super, le soleil, tout est magnifique. Tout est magnifique, dont ce Yves Aoud, une nouvelle recrue qui nous vient de Coolmore et qu'on a connue en France avec ses premiers 2 ans qui ont très bien réussi. Qu'est-ce que vous aimez chez cette nouvelle recrue? C'est un cheval qui était un super performeur en course, un magnifique bonnel comme vous pouvez le voir. Et nous sommes très satisfaits que Coolmore nous l'ait délégué cette année, enfin pour 2020, à la monte. Et c'est un cheval qui a débuté donc à Coolmore avec les premiers 2 ans en piste. Le cheval a fait plus de 150 juments la première année, avec déjà 18 gagnants différents, dont 3 black type. Donc c'est un super démarrage pour ce cheval et on est content de poursuivre avec ce cheval ici au Haut du Mont-Goubert. Et alors, ce cheval, on voit un 2 ans qui a été très précoce, mais un cheval qui a du fort modèle. Qu'est-ce qui va convenir pour ce genre d'étalon? Tout à fait, c'est un cheval qui est fort précoce, avait gagné groupe 2 à 2 ans, mais placé de groupe 1 à 3 ans, puisqu'il est placé 3e des Guinées. Donc c'est un cheval, lorsque l'on veut rester dans la précocité là, et ramener du modèle, parce que le cheval, c'est un cheval qui a du modèle, il fait 1m68, il est bien carré, bien taillé, donc... modèle taille et précocité. Taille et précocité pour notre magnifique Yves Aoud qui a très bien fait avec notamment Charès qui a gagné le Critérium de Lyon. Et on a le retour d'un autre cheval très complémentaire, j'ai envie de dire, que les éleveurs aiment beaucoup. J'ai nommé Sageburn. Quel plaisir de voir ce cheval revenir en France. Un grand plaisir. Ça fait quelques années que Hugues et moi souhaitions le réintégrer en France. Et on remercie les propriétaires de nous l'avoir confié cette année. C'est un cheval donc plus que confirmé. Et il était parti pendant 4 ou 5 ans en Irlande. Tous les ans, ça y sent plus de 200 juments. Les premiers poulains en 4 ans là-bas sont très attendus. Et les éleveurs nous l'ont déjà prouvé en étant très satisfaits du retour du cheval. Et le cheval est très fort sollicité pour cette année. Et puis alors, plat, obstacle, il peut tout faire celui-là? Tout à fait, un profil complètement complémentaire. Parce que le cheval était surtout un performeur en plat, comme on le sait. Mais il a sailli des juments de plat et d'obstacle avec... une super réussite de deux côtés. C'est la 4e année désormais qu'il y a des galopeurs au Mont-Goubert et le cheptel des étalons ne cesse de se renouveler, d'augmenter en qualité. Hugues, au bout de 4 ans, comment on voit cette évolution? Je resitue d'abord que notre métier premier, ce sera toujours d'abord les trotteurs et toujours les trotteurs. Cette année, écoutez, puisqu'on parle du rat, on a eu le plaisir d'être sollicité par Coolmore pour accueillir Yves Aoud. C'est un cheval, comme vous l'avez observé, qui est doté d'un magnifique modèle. Qui, je pense, a un niveau de performance à 2 ans tout à fait exceptionnel. Sans doute l'un des meilleurs qu'on puisse trouver sur le parc des étalons français. Donc ça, c'est intéressant. Et j'espère qu'on en fera le meilleur usage, qu'il donnera satisfaction à ses propriétaires et qu'on lui trouvera un maximum de juments possible. Ainsi que Sageburn, mais là, rien ne vous étonnera, un cheval qui est la propriété de M. Dubois et qui a bien travaillé, je crois, pendant 4 ans en Irlande et qui a un bon niveau de popularité et beaucoup d'adeptes en France, tant pour le plat que pour l'obstacle. Il semble intéressant pour son entourage de le ramener en France pour continuer sur sa lancée de pouvoir fabriquer le plus de poulains possible. Et comme vous l'avez vu, c'est un cheval qui reste très frais, qui est un très joli cheval, très beau cheval. Merci Hugues et beaucoup de succès avec ces 4 étalons pour la saison 2020.